Stéphane Bern missionné par Emmanuel Macron, sans gros coup de gueule. L'animateur, très agacé, s'est exprimé. Stéphane Bern en a régulièrement marre. Invité de l'émission On refait la télé samedi 10 février 2018 sur les ondes de RTL, l'animateur de 54 ans s'est agacé contre certains hauts fonctionnaires. Ce qui énerve le plus Stéphane Bern, ils devraient m'aider, mais ils ne le font pas, déplore-t-il. Pour rappel, Emmanuel Macron a confié aux passionnés d'histoire une mission bénévole visant à sauver le patrimoine local en péril. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ce travail dans les administrations ou au ministère de la Culture, lance-t-il. Et quand ils prennent toute leur énergie pour vous mettre des bâtons dans les roues plutôt que de faire leur travail, vous nous dites, attendez, moi je viens en plus pour vous apporter de l'aide, et vous au lieu de faire votre travail à sauver les monuments, vous passez votre temps à vous dire comment je vais pouvoir héberder. Il en carrément est arrivé à se demander s'il ne dérangeait pas, d'abord, c'est un aveu d'échec. Il y a des gens qui dirigent le patrimoine depuis quelques années, et si le patrimoine est dans un si mauvais état, c'est que visiblement ils n'ont pas forcément bien réussi. Mais ils ne sont pas sanctionnés, parce qu'ils sont ex-fonctionnaires, et qu'ils appartiennent à un corps d'élite. L'animateur de France 2 a par ailleurs confié avoir découvert de l'intérieur comment un ministre finalement a les pieds et poings liés par son administration, quand la ministre n'a pas le courage de virer toutes les têtes qui dépassent. De quoi l'agacer.